Salut tout le monde, c'est Max28, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien et aujourd'hui on se retrouve sur GTA 5 Online pour une petite vidéo qui va vous apprendre comment gagner des RP et de l'argent facilement en faisant une mission en fait. Je vais vous montrer comment faire tout ça. Alors il vous faudra juste avoir débloqué donc la mission casseur de deal qui vous est donnée, non pas là. Qui vous est donné par Gérald. Alors jouer activité créée par Rockstar, vous allez là et puis après dans mission et moi je l'ai ici en fait. Peut-être que vous l'aurez pas, mais il faut être juste niveau 6 pour l'avoir. Vous allez voir que ça paye plutôt bien pour ce que c'est. Je vais vous montrer aussi une technique pour la finir facilement. Vous pouvez la faire tout seul ou à 4, donc vous pouvez inviter des personnes et tout ça pour la faire avec vous. Mais même tout seul, c'est très facile. Alors, vous la mettez en difficile pour avoir plus d'argent. Vous prenez des balles si vous en avez besoin. Mais ce qu'il vous faudra, c'est juste un sniper. Voilà. Je vais vous montrer donc casseur de deal. On n'est pas très loin en plus. Je vais juste vous montrer donc sur la carte où est-ce qu'il faudra aller. Vous voyez, c'est ici sur les docks, je sais pas quoi, il faut passer par là et venir ici jusque là où il y a tout le monde. Mais en fait, vous allez venir à peu près ici. Donc je vais placer un marqueur. J'arrive par le stade, là-bas où il y a le stade. Et donc vous voyez, il y a des portillons ici. Vous rentrez, vous mettez votre véhicule de fuite ici. Alors, cette astuce m'a été donnée par Tustaga, je le remercie. Après, on faisait cette mission en boucle. Donc je vais prendre mon sniper. Oui. Alors, vous allez courir jusqu'ici, en fait, et là, vous allez voir des silos, ou enfin, je sais pas vraiment ce que c'est. Et vous montez, les mecs sont juste en bas. Normalement, vous faites pas assez de bruit pour vous faire remarquer. Vous montez ici, sur le truc, et en fait, si vous regardez bien, vous les voyez tous. Enfin, là, vous les voyez, il y en a un petit peu par là-bas aussi, et en fait, on voit toujours leur tête. Par exemple, ponctuel, pas plutôt lui. Oups. Vous voyez, on voit toujours leur tête parce qu'on est au-dessus d'eux. Du coup, on peut se les faire facilement. Voilà, tac. Et pour ceux qu'on voit pas bien, on peut un peu bouger sur le truc. Bon, c'est une solution campouse, mais ça marche bien, c'est plutôt facile. Vous descendez un peu si vous avez du mal à les voir. Par exemple, lui, voilà. 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 Une balle dans la tête, même avec ce sniper, ça marche bien. Il en reste encore. Il est où? Il est là. Je te vois. Boum. Je crois que c'est le dernier. Je prends quand même mon arme. Là, je me suis. Ouf. Ok. Faut pas descendre comme ça parce que vous pouvez vous tuer. Descendez les escaliers normalement. J'utilisais une dizaine de balles, même pas. Après, vous descendez. Allez. Hop. Normalement, il y a plus personne là. Ouais, c'est ça. Vous pouvez même sauter pour aller plus vite, hop. Et en fait, vous passez en plein milieu, là, et vous ramassez la coke, voilà. Et vous remontez par les escaliers. Normalement, quand vous prenez ça, vous avez des voitures, là, vous pouvez les prendre, sauf qu'en partant par là-bas, les gars, des renforts vont réappliquer. Du coup, c'est pas ce qu'on veut. Regardez sur la map, ils sont là. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on part par là-bas, mais ils ne nous voient pas partir, en fait. Et donc, c'est pour ça qu'on a mis notre véhicule ici. C'est pour qu'on puisse s'échapper tranquillement, donc sans perte de vie et en allant très très vite. Regardez, ça fait même pas 2 ou 3 minutes que je suis dans la mission. Et donc vous pouvez aller livrer le paquet à Gérald. Alors, quelquefois ça arrive que les gars réussissent à remonter et vous suivent, mais vous foncez et vous les perdez en même pas 10 secondes. Hein. Et les gars sont vraiment un peu débiles. Donc du coup, vous allez chez Gérald qui est juste là, tournez à gauche, hop, hop là, et vous lui donnez le paquet. Ça paye encore plus si vous êtes membre d'un crew, ça fait 1000 de plus. 9000, alors quelquefois ça peut monter jusqu'à 12000, je crois si on est plusieurs, mais vraiment ça peut être pas mal. Par contre, ouais, le seul problème c'est que si on l'a fait un petit peu en boucle, ça va descendre de plus en plus. C'est pour ça qu'il faut faire d'autres activités entre temps et tout, vous pouvez en avoir plus. Là j'ai pas eu de chance parce que je crois que je l'ai fait juste avant l'activité, mais vous pouvez avoir jusqu'à 12000 en plus en étant en crew.
Sinon c'est 11 000 si vous n'avez pas de crew, mais c'est très bien payé et vous avez vu le nombre de RP que vous avez gagné aussi. C'est vraiment pas mal pour se faire de l'argent rapide et de pas mal d'RP. Voilà, c'était Maxur 8, laissez un petit j'aime, un commentaire et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut. On est sur des... Ah oui, on doit voir la plus grande partie de... D'accord. Ah non, c'est un snake. Faut pas se couper. Ok, salut. Ah là là, oula, y a un slime.